je confirme, une caméra étanche GoPro avec le manche, c'est bien pratique parce que là je viens de la faire tomber. Le tuto, comment récupérer sa GoPro dans l'eau quand on l'a fait tomber bêtement, parce qu'un voilier m'a klaxonné à juste titre, je devais le laisser passer. Donc ma GoPro. Alors, pour le tuto, premièrement, une fois qu'elle est tombée, la repérer. Donc, ce qui est pratique, c'est que le bout du manche est orange. Donc on la voit. Deuxièmement, il faut s'en approcher et essayer de la récupérer. J'ai pas d'épuisette, ce qui est bien dommage. Donc je vais tenter. Elle me file une patte, j'ai retrouvé. Nouvelle tentative. On va essayer d'y aller plus doucement. Se mettre bien à l'arrière. Hop, hop, encore loupé. Là j'y crois, c'est la quatrième tentative ou troisième. Je vais y arriver. Là on se dit quel lieu d'avoir oublié son épuisette. N'y arriverons pas, je vais tenter avec la gaffe faite d'épuisette. Là c'est ma sixième tentative. Sixième tentative pour récupérer ma GoPro. Nous ne sommes pas très loin de la plage à côté du restaurant de chez Hortense. Là on y croit. Et voilà, ça y est, je l'ai. J'ai ma GoPro. Donc merci à GoPro pour fournir dans le pack le manche étanche. C'est très pratique. Donc ma GoPro est sauvée. Mais bon, quand même la deuxième première leçon, c'est quand on fait le kéké pour faire le paparazzi, sa GoPro on l'attache à son bateau. Deuxième leçon, on regarde autour de soi parce que quand il y a un voilier qui passe, il est prioritaire. Troisième leçon, on n'oublie pas son épuisette. C'est quand même très très pratique. Voilà, c'était le tuto GoCalperet, comment récupérer sa GoPro quand elle tombe à l'eau sur le bassin d'Arcachon.